Et on va jouer la nouvelle mise à jour de Rocket League. Et c'est faux. Il s'y ressemble quand même. Il y a à jouer, garage, les réglages, et l'interface, on dirait trop du Rocket League, j'en peux. L'audio, je vais baisser un peu. Alors, à jouer du coup. Il y a l'air d'avoir des zones. Ok. Zone 1, let's go. Le but du jeu, je pense que c'est juste rouler. Alors, j'accélère avec. Ouais, ok. Ok, très bien. Est-ce que j'ai un saut? J'ai pas de saut. Tourner. Ok. Wouhou! Ah oui, d'accord, je me fais courser par Yes. Ok, bah, reset. Ah ouais, okay, on voit en bas à gauche l'espèce de... Yes. Ok. Donc j'aimerais bien drifter. Peut-être dû regarder les touches avant. Ah, juste regarder les touches. Boost, hyper drift. X. Ah, j'ai essayé de faire un truc. Propulseur de vol. Drift, je pense que ouais. On va voir déjà comme ça. Ok. Est-ce que je gagne du boost en driftant? Genre, je voulais passer vraiment tout possible. Je voulais sauter. Vas-y, il y a moyen de prendre la vitesse avec le drift. Ça, ça ralentissait pas non plus. Je suis un gamin aussi. Moi c'est pas relou les restarts là. Ça se fait assez vite. Par contre le drift est bizarre en vrai. Oh, faut s'y habituer. En fait quand tu quittes le drift ça te... Réaligner avant de quoi? Non mais c'est chiant.
pas le temps de lire. Peut-être me le redire. Ouais. Ah, j'ai même pas besoin de rester appuyé, ok. Ok. Et oui, j'ai perdu du temps. Non, je sais pas. Attends, c'était quoi le chrono à faire? On va faire rejouer. Par contre, la musique, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, mais ça me pète les oreilles. Ah, on peut pas redrifter rien, donc il faut refaire le... un drift, une direction. Y'a pas de problème, y'a pas de problème. Mais... Ah oui, c'est vrai, il y a deux mondes, il y a deux segments, ok. Ah oui, c'est là qu'on va voir le... Ok, 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 ok. J'avais pas compris, mais yes. Je pense qu'il faut vraiment partir bien droit. Il y a peut-être le boost qui peut me... On va essayer le boost. Ah oui. Mais attends, quelle est la différence entre du coup sans rien faire? Enfin, j'essaie de ne pas faire leur boost machin. Garder un peu de boost pour le saut. Et du coup je tombe comme une merde. Ah ok. Ok, c'est, ça m'aide en gros à garder un peu de la distance. Je suis obligé de rester appuyé comme un tarde. En tout cas, pour gagner de la vitesse, enfin pour faire des chronos, je pense qu'il n'y a pas besoin de voler très haut. Il faut juste atterrir au bon moment. Je peux le faire là, hein. Je peux pas sauter ici. Je peux pas l'utiliser ici. Il doit y avoir des zones exprès pour l'utiliser, je pense. Ah, je me fais rattraper par la mort. Quoi, il se fout de moi? Attends, il y avait vraiment bien le... le virage à la droite. Je peux pas wave dash, c'est excellent. Hein. C'est vrai, faut que je drift. Quel idiot. Ok, d'accord. Je drift un petit peu trop tôt. Je pense. Ah d'accord. J'avais pas compris ça, d'accord, ok. Ok. On
dirait que je fais des hyper vitesses. Par contre, je vois un truc. Est-ce que la touche A est utilisée pour quelque chose? Parce que sinon, moi, je mets le saut avec ça. Hein. Pour plus sorte de vol, hop. Ah, c'est pas d'autres touches que je peux tourner à gauche, quoi. Bah, bro, c'est la même chose, non? Roulis R. On peut faire des roulis? Genre... Roulis activé. Ah, c'est le yes! Ah bah attends, je vais mettre ça à ce moment-là. Attends. Vu que je peux pas drifter, ben je vais remettre la même touche. Est-ce que ça l'a supprimé? D'accord. Ah, c'est bon. C'est comme si je faisais des dérapages, mais aussi tonneau aérien sur Rocket League. Voyons ça. Ouais, je peux toujours drift, ok. Par contre, j'aimerais bien. Ok, on peut cancel en faisant. Non, même pas. Je suis désolé, mais j'ai envie de connaître déjà de base. J'aimerais bien savoir si on peut cancel un drift assez rapidement. Du coup j'ai mis... Ouais j'ai mis ça, ok. Ouais donc on peut pas trop le cancel, faut juste reprendre une trajectoire assez droite par rapport à la trajectoire de... Yes. Je peux pas trop drift ici. Garde un peu de boost pour le virage là. Je crois après il faut aller sur le mur. Le plafond j'allais dire. Pour venir là, ok. Ok. Faut que je teste les roulis d'ailleurs. S'il y a un saut. Attendez, je suis un connard. Non, je suis pas un connard. Olé, olé. Ah, ça c'est l'éjection. Je crois que je m'étais trompé de touche entre le pouce et le... Pourquoi il n'y a plus de musique? Tout à l'heure elle me pétait les oreilles, mais là. Ouais, il y a déjà la mort à mes trousses. Excuse-moi, bro. Ah oui, mais j'ai oublié de... Yes! On commence. Je suis pas très habitué au... Il y a peut-être des maps plutôt pour s'entraîner au vol. Facile que ça à regarder, ça doit être facile, mais en vrai, la direction est... Oh sa merde. Oh
Oh, j'ai trouvé un truc. Il y a un raccourci en haut. Vas-y, attends, je vais garder mon boost en vrai. Et je vais pouvoir l'utiliser pour aller en bas, en haut là. Allez. J'ai niqué la game là. Pas vraiment. Ok, je suis un ago. Oui, j'ai vu. On va faire des drifts. Allez. C'est pas vrai, la mort n'est pas à mes trousses. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on gère. Allez. Allez, c'est là que je choisis tout ça. J'avais choisi le bleu, je vais faire le rouge. Niveau inaccessible. Ah, ok. Bon, est-ce qu'il y a une map boss ou je sais pas quoi? Je finisse la vidéo là-dessus. Dommage. Alors il y a moyen de jauger son drift, j'ai l'impression. Oui, je donne des petits coups de joystick. Faut pas trop le prendre d'angle. Et... Oh ta grand-mère. Wouhou ! Y a pas de soucis, y a pas de soucis. Ah oui, il était rapide celui-ci. Quand on drift trop et du coup on veut reprendre la trajectoire, faut vraiment pas mettre le joystick à fond quand tu commences ton drift. On redresse. Ok. Est-ce qu'il faut reprendre ça? Ok, j'ai fait un truc de zinzin mais ça marche. Bon, y a moyen de faire des trucs avec les propulseurs mais en vrai. Toujours dans la zone 1. À mon avis, il y a 10 maps. Si tu fais les 10 maps. Allez, stylé, c'est bon. De drifter encore un peu. Ah là, s'il me demande de drifter entre les bouboules. Au bain de Dieu.
Allez. Mon dernier niveau. On y croit. Ouh. Ah oui, d'accord, c'est des bumpers. Allez, yes. Il a plus de boost, monsieur. Je regarde un truc. Est-ce que... Ah, ok. Ça me prend du boost. Ok. Wesh. Aïe aïe aïe, terrible, terrible. C'est pas grave, on s'amuse. Ouh, tornado. Ouh. Oh wesh. Quoi ça? Il y a un truc à faire ici. Ok. Ok. Bon, je vais m'arrêter là. Ouais, sur le menu principal. Je vais regarder vite fait ce qu'il y a là. Des niveaux en ligne. On peut les parcourir. On peut les classer par téléchargement, les plus récents, les notes. Et les difficultés, évidemment. J'ai pas vu d'autres choses. Alors, je vais pas regarder l'éditeur de niveau. Pas pour l'instant. Je vais juste voir les garages, ce qu'il y a. Il y en a différents, mais est-ce qu'il y en a d'autres ou il n'y a que ça? Il n'y a pas que ça quand même. Ah, on peut. Attends, on peut reroll le plein que j'ai. Ouais, ça coûte 250 000 un skin de bagnole. Attends, là, j'ai quoi pour l'instant là? Bah, limite, c'est mieux que les autres. Hein. Ouais. Là, c'est des roues. C'est assez simple, hein. C'est vraiment, on dirait un Rocket League sur mobile. C'est
couleurs, c'est les couleurs secondaires, c'est des décals. Ok, alors est-ce qu'on... Je vais juste claquer un 15 000 pour voir les autres skins de bagnole. Ok, ok. D'accord. Ça peut donner des idées pour faire des voitures sans scrap mécanique pour ceux qui connaissent. Lol. Mais après, ouais, d'accord, ok. Ok, retour. Bah voilà, j'ai fait le tour. Bon. Pour l'instant, le jeu est à 14 euros et quelques sur Steam. Sinon, il a dans les environs de 15 euros. Voilà. Allez, à plus.